se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu me suis partout? C'est bien toi qui m'as dit que je ne devrais pas me mettre à l'écart ou me résigner dans un coin. Et que je devais toujours rester à tes côtés. C'est ce que je fais. Tu as oublié ce que tu as dit? Comment allez-vous, Koshalia? Bien, merci. Voici Ganga. Je disais à Ganga à l'instant que vous faisiez un excellent plat de margose. Elle ne sait pas en préparer. Elle hésite à vous le demander. Mais pourriez-vous partager cette recette avec elle? Alors, c'est d'accord? Pourquoi pas maintenant? D'accord, pas de problème. En fait, c'est très simple. Je vous donne la recette. Excellent, venez, donnez-lui la recette. Venez, venez. Oui, venez, oui. Venez par là. Allez, vas-y. Venez. Elle allez, va tout allez. Expliquer. Allez, vas-y. Allez. Vous me l'expliquerez un autre jour. Mais non, pourquoi? Asseyez-vous. De toute façon, les femmes n'ont aucun rôle dans cette fonction. D'abord, découpez la margose en rondelles. Ensuite, mettez-les à tremper dans de l'eau salée. Écoutez, je ne veux pas de votre recette, d'accord? En fait, vous savez quoi? Vous devriez sortir de vos cuisines et faire quelque chose de votre vie. Notre monde a beaucoup évolué, est-ce que vous le saviez? Mais vous continuez à rester caché derrière votre voile. Elle a peut-être raison. Dans ce village, les femmes sont condamnées à passer toute leur vie dans leur maison. Pourquoi est-ce que vous manipulez ces femmes? Vous êtes la femme du chef du foyer. Comment pouvez-vous dire ça? Vous avez eu trop de liberté. Les femmes ont tendance à abuser de leur liberté. Et c'est pour cela que je suis toujours célibataire. Les femmes n'ont pas la moindre idée de ce qui est bien pour la société. Si une femme ne peut pas discerner ce qui est bien ou mal pour la société, alors c'est sûr que cela prendra des siècles pour comprendre toutes ces choses. Permettez-moi de vous dire quelque chose à tous. Ganga a toujours été très respectueuse. Elle se préoccupe pour tout le monde. Le jour d'un festival, j'ai vu Ganga, malgré le fait qu'elle jeûnait, s'occuper de tout le monde. Lorsqu'une femme pauvre ne pouvait pas donner sa fille en mariage parce qu'elle n'en avait pas les moyens, Ganga a enlevé son collier et le lui a donné. Ganga était plus qu'honnête et elle défend la vérité. Une femme a de multitudes facettes et une épouse peut être très douce. Elle peut être féroce. Et elle peut aussi être très forte. Même l'un de nos dieux vénère cette facette de la femme. Alors pour qui nous prenons-nous? Pour juger ou critiquer la femme? Répondez, l'amour dont une femme est capable de donner est inimaginable. Et vous là, vous ne pourrez jamais le comprendre. Jusqu'à ce que vous trouviez une épouse qui soit honnête et gentille. Cette Ganga a réussi à manipuler Shiv. Bonjour. Venez. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Mesdames et messieurs, notre invité d'honneur, Monsieur Amit Anand. Maintenant, je voudrais demander à notre invité principal d'honorer Shiv Jha, qui est le chef de ce foyer au sein de ce village. Félicitations. Madame Jha, que faites-vous là-bas? Approchez. Nous honorons votre mari. Vous devriez être ici avec nous. Voilà ta chance, Ganga. De ruiner la réputation de Shiv pour que tu puisses vivre ta vie comme tu veux. Venez. Vous voulez dire un mot sur le succès de votre mari ?
Suivez. Il est quelqu'un de formidable. Et il mérite tellement d'être reconnu. Je n'ai rien d'autre à ajouter. D'habitude, cette femme est un moulin à paroles. Et là, c'est tout ce qu'elle a à dire, Junkie. Ne t'avais-je pas demandé de lui parler? Écoute, tu ne pouvais pas l'inciter à dire des méchancetés sur Shiv? Vous devez me croire, j'ai essayé par tous les moyens de manipuler Ganga. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle fasse les éloges de Shiv à cette cérémonie, maman. C'est bizarre. Tu as fait aujourd'hui la preuve que sauvegarder la réputation de Shiv compte plus pour toi que l'amour que tu prétends ressentir pour Saga. Je me trompe? Ne voulais-tu pas être reconnue comme la veuve de Saga? Est-ce que cet amour s'est juste envolé? Ce n'est pas ça. Mais bien sûr que ça l'est, Ganga. Et c'est pour cela que tu remplis ton devoir d'épouse envers Shiv. Ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a rien entre Shiv et moi. Je suis la femme de Saga. Et je le serai toujours. Shiv ne remportera pas cette bataille. Je pense avoir réussi à mettre Ganga en colère. Et là, je n'ai plus qu'à attiser les flammes. Et bientôt, elle s'en ira d'ici. Ah, bien, Junki. Je vais te dénoncer à la police. Et ensuite, tu seras arrêté pour ce que tu as fait. Ganga choisit de faire ce qui est juste. Elle a simplement agi comme l'épouse d'un chef devrait toujours le faire. Prata! J'y vais. Il est quelqu'un de formidable. Et il mérite d'être reconnu. Maman, buvez-le, hein? Je ne peux plus tolérer Shiv et Ganga dans cette maison dorénavant. Alors il faut vraiment qu'il s'en aille d'ici. Oui, maman. Vous avez raison. Tu sais, aussi longtemps que ces deux-là feront chambre à part, mon plan ne fonctionnera jamais. Alors tu vas m'écouter attentivement et faire ce que je te dis. Je vous laisse. Cela ne fonctionnera pas. Rien de ce que je fais ne semble atteindre Shiv. Au contraire, il me montre son soutien. Les choses n'avancent pas. Je vais devoir faire quelque chose. Ma parole! La ruche est tout en haut de cet arbre. Juste ciel! Je pourrais me faire piquer par ces abeilles. Mais c'est trop dangereux. Mais si je refuse de le faire, maman va me faire la peau, c'est sûr. Bien, allons-y. D'où viennent toutes ces abeilles? Ganga, je t'ai apporté de l'eau. Juste ciel, c'est quoi ça? Une invasion d'abeilles? Il faut qu'on sorte d'ici. On va se faire piquer. Allons vite, sortons d'ici. Oh, ma parole! Voilà, c'est fait. Oh, ma parole! Dis-moi, est-ce que ça va? Oui. Tu ne t'es pas fait piquer? Je me demande pourquoi ces abeilles sont entrées dans ta chambre soudainement et surtout à cette heure. Autant que je sache, les abeilles n'attaquent jamais de la sorte, sauf si on essaie de s'approcher de leur ruche et que les abeilles se sentent menacées. Quelqu'un a dû essayer de provoquer ces abeilles, j'en suis certaine. Oui. Qui pourrait faire ça, Junki, et pourquoi? Tu passes ton temps à raconter des bêtises. Quand est-ce que j'ai raconté des bêtises, tu peux me dire? C'est Shiv le responsable, j'en suis certaine. Je pense que Shiv l'a fait pour que tu viennes t'installer dans sa chambre. Ça, j'en doute fort. Shiv ne ferait jamais une telle chose. Tu sembles oublier qu'il t'a enfumé pour que tu quittes le patio. Et puis maintenant, les abeilles? Suite à ces incidents, je ne peux que déduire que Shiv est prête à tout dans le but de se rapprocher de toi et
Je trouve qu'il en fait trop. Oh, désolée, je me sens si fatiguée après une dure journée. Écoute, je vais aller dormir, hein? Prends soin de toi. Oh, juste ciel. Donc ça veut dire que Junki avait bien raison. J'y vais. Il est quelqu'un de formidable. Et il mérite tellement d'être reconnu. Je ne peux plus rester ici. Il faut que je quitte cette maison. Et j'y vais. Et ce village aussi, au plus vite, par n'importe quel moyen. Allô? Allô? Je vous appelle pour porter plainte. Y a-t-il? En fait, monsieur le chef du foyer joue de la musique à fond à une heure aussi tardive. Et qu'est-ce que j'y peux? Ne nous dérangez pas pour si peu. Allô? Écoutez-moi, inspecteur. C'est le chef du foyer, Shiv Kumarja. Il s'était plaint de vous auprès du CAP et vous a fait suspendre. Bien écouter de la musique aussi fort à cette heure. Les gens de ce village sont devenus tellement bruyants. Est-ce une heure pour jouer de la musique à fond? Je me demande bien qui peut le faire. Allons voir où ça vient. Allons-y, allons voir qui c'est. Ce soir, cette personne va m'entendre, croyez-moi. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe par ici? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Il y a peut-être un mariage dans le village. Et alors? Ce n'est pas une raison pour empêcher les gens de dormir. Vous entendez tous boucan. En passant, quelqu'un a vu Ganga? Junki, tu peux vérifier si elle se trouve dans la chambre d'amis ou pas? D'accord. Ganga a le sommeil plutôt léger d'habitude. Donc c'est bizarre qu'elle ne soit pas sortie de sa chambre. Maman, je n'ai pas trouvé Ganga dans la chambre d'amis. Maman, il semble que ce bruit provient du foyer. Quoi? Je vais aller avec Shiv, d'accord? C'est exactement ce que je voulais. C'était facile d'entrer, mais maintenant, comment je fais pour sortir? Ganga! C'est quoi ce... Non, je ne te laisserai pas l'éteindre. Mais Ganga, que... Avec cette musique qui joue aussi fort, tu as réveillé tout le village. Si cela te pose un problème, alors va tout de suite parler au conseil du village. Dis-leur que vivre sous le même toit avec moi est impossible. Qui écoute de la musique aussi fort à cette heure, Ganga? Allez, baisse un peu. Je ne te laisserai pas l'éteindre. Ne sois pas si têtu, avance-toi. Nous avons reçu une plainte contre vous, monsieur. Vous devez savoir que c'est illégal de jouer de la musique aussi fort après 22 heures. Oui, inspecteur. Je suis désolé. Je suis désolé, monsieur Shiv, mais nous allons devoir vous emmener au commissariat. Attendez, inspecteur. Shiv était à la maison. Nous avons entendu du bruit et quand on est arrivé, on a vu Ganga ici. Kushal. Si ce n'était pas vous, alors ça doit être votre femme. Ça ne change rien. Suivez-nous. Allez. S'il vous plaît, inspecteur. Tu es contente? Qu'est-ce que ça t'a rapporté? Ils vont m'enfermer.
Ce sera humiliant pour Shiv de se retrouver en prison. Cette fois, il va définitivement me quitter. Allons-y. Je suis désolé, Monsieur Shiv, mais vous allez devoir passer la nuit en cellule. Normalement, Madame Ganga ne devrait pas être ici, mais je n'ai pas vraiment le choix. La cellule des femmes a été détruite à cause des fortes pluies. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez savoir que la loi stipule qu'un homme et une femme ne peuvent pas être détenus dans la même cellule. Vous avez raison, mais comme je l'ai dit, j'ai pas le choix. De ce côté, votre mari, et de ce côté, des voyous. À vous de choisir votre cellule. Je trouve qu'elle est pas mal du tout. J'espère qu'elle choisira notre cellule. On va bien s'amuser. Ouvrez cette cellule. Quoi ? Je choisis cette cellule, ouvrez la grille. Ouvrez la grille. Ganga, qu'est-ce que tu fais ? Écoute, Ganga, ne sois pas si obstiné. Viens de ce côté. Bien. Je suis sûr que tu demanderas qu'on te transfère dans ma cellule très vite. Ah, toi et moi. Parlez. Ouvrez cette grille. Je veux aller dans l'autre cellule. Très bien. Constable, ouvre la grille. J'avais raison de dire qu'on peut parfois tomber soi-même dans la tombe qu'on a creusée pour quelqu'un d'autre. J'ai fait tout ça pour provoquer Shiv. Maintenant, je suis coincée. Je voulais rester loin de lui. Et là, je suis obligée de partager une cellule avec lui. Je fais quoi ? De toutes les personnes ici, Shiv est le seul à qui je peux faire confiance.
que vous m'entendez? Vous avez vu l'état de cette cellule? C'est infesté de moustiques ici. Et l'odeur est nauséabonde. Les criminels sont des humains aussi. Les gens peuvent tomber malades ici. Vous êtes là? Qu'y a-t-il? Pourquoi vous criez? Vous êtes dans une cellule, et pas un hôtel. Ici nous enferment les criminels. Et leur confort n'est pas une priorité. Ce n'est rien de personnel. Est-ce que vous comprenez? Mais pour qui il se prend celui-là? Je déposerai une plainte contre lui quand je sortirai d'ici. Je dois aller aux toilettes. Il faudra le faire dehors. Dehors? Les toilettes d'ici sont hors d'usage. Vous devrez aller dehors. D'accord. Ouvrez la grille, s'il vous plaît. Mais il y a un problème. Quoi? Il n'y a aucun officier féminin au service. Votre mari pourrait vous y accompagner. Je vous accompagne aussi. Je ne peux pas vous laisser y aller toute seule. Alors? Je vais devoir demander une autre faveur à Shiv. À quoi pensez-vous? Je... Non. Laissez tomber. Allons-y, je vais t'accompagner. Inspecteur, on aimerait sortir. Viens. Non, je ne veux pas y aller. Allons-y, mets-toi debout. Allez, que se passe-t-il? Debout, Ganga. Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête de te montrer si têtu. Inspecteur, laissez-nous sortir, elle veut y aller. Si je vous accompagne dehors à cette heure, c'est parce que je vous connais. Autrement, j'aurais refusé. Car une fois, un prisonnier s'est échappé de cette façon. Mais vous ne vous échappez pas, je vous fais confiance. C'est par là-bas. Vas-y, tu n'as aucune raison d'avoir peur, je suis là. Je vais t'attendre ici. Vas-y. Vous savez, Monsieur Shiv, c'est bien difficile de marcher ici pendant la moisson. Les routes sont inondées. Attention, Ganga! Est-ce que ça va? Écoute, tu devrais partir de ce côté. Je t'attends juste ici, donc tu n'as aucune raison d'avoir peur. Par contre, fais attention car il fait très sombre. Vas-y. Viens, assieds-toi. Assieds-toi, Pratap. Allez.
Ferme la porte. Donne-moi l'assiette. Voilà. Aujourd'hui, je vais te faire manger de mes propres mains. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, j'avais une maison. Mais maintenant, je traîne d'un endroit à l'autre comme un vagabond. Oui, c'est vrai. Regarde comme tu es devenu si chétif. Te voir comme ça me fait de la peine. C'est bon, maman. Il est grand temps que je revienne à la maison. Ne t'en fais pas, Pratap. Je travaille dessus. Tu vas revenir. D'une manière ou d'une autre, je vais te ramener dans cette maison. Tu crois que je ne comprends pas ce que tu traverses? Et tu crois que je prends plaisir à te narguer? Mais ce n'est pas le cas, Ganga. Je ne veux pas que tu renonces à vivre ta vie, parce que Sagar n'est plus là. Sagar aussi voulait que tu refasses ta vie. Et j'ai fait une promesse à Sagar que je compte bien tenir tant que je serai encore de ce monde. Tu es ma responsabilité. Regarde dans quel état est notre chef de foyer. Il a été honoré hier et aujourd'hui, on le voit sortir du commissariat. On récolte toujours ce qu'on sème. Si le chef du foyer enfreint la loi, tu peux imaginer que les villageois suivront son exemple. C'est vrai. Celui qui sert à la justice enfreint la loi. Et va enfin se réaliser aujourd'hui. Après avoir subi une telle humiliation, Shiv ne voudra plus de moi dans sa vie. Il va me quitter. Ce sera une bonne chose pour Shiv aussi. Hier, à la cérémonie, vous n'avez pas cessé de faire l'éloge de votre femme, n'est-ce pas? Vous disiez qu'elle avait un grand cœur, qu'elle se préoccupait des autres. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez passé la soirée en cellule? Et tout ça à cause de votre femme? Il me semble que votre femme... on n'a absolument rien à faire de votre réputation. Pardon, Shiv. Je réalise que tout ça est injuste envers toi. Je ne veux pas t'humilier, mais je n'ai pas d'autre choix. J'ai prêté serment de vivre ma vie en tant que veuve de Sagar. Et je suis prête à faire ce qu'il faut pour respecter cette promesse. Il a été honoré hier, et aujourd'hui, on le voit sortir du commissariat. Il me semble que votre femme n'a absolument rien à faire de votre réputation. Je veux que tu me fasses une promesse, Shiv. Promets-moi que tu prendras Ganga pour épouse. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Ne reste pas là à attendre des compliments. Allez, entre dans la Jeep. Tu ne m'as pas entendu? Allez, vas-y, entre dans la Jeep. Grimpe! Shiv a l'air énervé. Je ne crois pas qu'il veuille passer une minute de plus avec moi. Enfin, c'est excellent. Je serai enfin libré et tu n'auras plus à subir d'humiliation à cause de moi.
pourquoi tu ne veux pas comprendre. Je ne peux pas faire une telle chose. Ah oui, et pourquoi ça? Parce que je... Continue, Shiv, pourquoi tu t'arrêtes? Quelle est la raison? Je veux savoir la raison pour laquelle tu fais tout ça. Dis-le-moi. Tu me tolères après t'être fait humilier. Je te fais du tort, mais tu refuses de me quitter. À quoi ça sert d'être ensemble si cela nous rend tous les deux malheureux? Pourquoi ne comprends-tu pas? Si je prends une responsabilité, je m'assure de la remplir. Je ne peux pas ne pas remplir mes devoirs. Ah, j'ai tout compris. Tu me vois comme cette pauvre femme qui ne pourrait pas survivre sans ton aide, c'est ça? J'ai tout compris. Maman, je t'en prie, laisse-moi rencontrer Shiv. Je partirai après. M'être excusé. Rata, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'en prie, pardonne-moi, Shiv. J'ai payé pour mes péchés. Je m'en repens. Et si tu veux, tu peux me punir en me frappant. Mais je t'en prie, Shiv, ne jette pas ton petit frère. Je reconnais avoir commis des erreurs. Et je veux m'en repentir. Je suis déjà allé voir Gita et je l'ai supplié à genoux de me pardonner. Je lui ai aussi promis de l'aider par tous les moyens possibles, Shiv. Et moi qui pensais que Pratap était un bon à rien, en fait, il se révèle être un bon comédien. Waouh! Si ce n'est pas de l'art... Shiv, mon fils. Ganga t'a causé beaucoup de tort. Tu as passé la nuit en prison à cause d'elle. Et malgré tout cela, tu n'es même pas furieux contre elle. Mais tu es toujours fâché contre ton frère. Vous êtes tous les deux liés par le sang. Jusqu'à quand vas-tu le punir? Shiv, Pratap est en train d'essayer de se racheter pour toutes les erreurs qu'il a commises. Il te respecte énormément. Tu oublies que c'est grâce à lui que le meurtrier de Sagar est en prison. Tu n'as jamais été aussi dur auparavant. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Shiv? Maman, de quoi tu parles? Je t'en prie, maman, reprends-toi. Shiv! Je t'en prie, pardonne-lui. Je t'en prie, fais-le pour mon bien, Shiv. Tu ne peux pas savoir comme c'est dur pour moi de vivre sans mon mari, Shiv. J'en souffre beaucoup. Enlève-toi, s'il te plaît. Junki, allez, je te dis de te relever maintenant. J'espère que Junki n'en fait pas trop, car ça pourrait gâcher notre plan. Notre destin, toutes les deux, est entre les mains de Shiv. Je ne sais pas s'il permettra à mon fils et à ton mari de rester ici. Pourquoi continuer à vivre quand je fais du mal à tout le monde? Très bien. Une seconde, Pratap. Tu n'as pas besoin de vivre loin de ta mère ou de ton épouse. C'est bon, je te pardonne. Mais c'est ta dernière chance. Compris? Tu as un très bon cœur, Shiv. C'est bon, d'accord. Va dans ta chambre avec Junki. Allez, viens dans la chambre te reposer un peu. Tu es épuisée. Allons-y. Regarde un peu dans quel état tu es, Pratap. Viens, mon garçon, viens. Attends, Ganga. Je t'avais parlé de donner des cours aux enfants. Eh bien, ils t'attendent. Tu es toujours partante ou devrais-je les renvoyer? Je suis peut-être fâchée contre toi. Mais je ne pénaliserai pas les enfants pour autant. Je vais aller me préparer et ensuite j'irai au foyer. Ganga, tu vas au foyer? C'est bien que tu le fasses, mais ne te fais pas d'illusions. Tu sais, les enfants de ce village n'accepteront pas une femme comme institutrice. Et
les parents de ces enfants ont accepté seulement par obligation. Parce que tu es la femme du chef du foyer. Mais tu peux me croire, ces cours ne dureront pas. Pas plus d'un jour ou deux. Je m'appelle Ganga. Vous voulez bien me dire votre nom à part, les enfants? Sakshipal. Moi, je m'appelle Adab. Kishore. Vous serez notre institutrice, madame? Oui, oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez apporté ce bâton pour nous frapper avec? Ce n'est pas un bâton. C'est une règle. C'est pour mesurer. Dites-moi quelque chose. Est-ce que vous savez déjà faire des calculs? Oui, oui, madame! Bien, je vais écrire un calcul et on va le faire ensemble, d'accord? Tô lembrando lá do cara lá no Java lá. Meu Deus do céu. Trocando sons do Minecraft pela voz. Ah, eu vi. Chegava no Village. Caralho, tem mó narigão, velho. Eu acho que é o inutilismo, né? Eu não lembro quem é. Eu sei que eu encontrei aleatoriamente por aí. Nossa, mas era muito legal. Salve, cachorro, salve na nave, tiozão. Nossa, eu rachei de rir no dia que eu vi. Tem um Ender trocando os blocos do chão aqui da casa. Nossa. Aham, olha, ele tá botando um monte de bloco, tudo os lugares errados, arromba. Matar ele. Matar ele com a minha espada de madeira. Ah, maravilhoso. Porque espada de madeira é fácil, cara. Matar com a vara. Dá varada, né? Era uma... Sai daqui, André. Matei. Mati. Wenderman. Disseram que o filme do Slenderman foi uma bosta, né? Sei lá, não vi. Eu também não assisti. Não, só fiquei sabendo. Eu achei que ia ser uma história boa e tudo mais, só que o pessoal falou que não teve nada a ver com o filme. Ou com o jogo e tudo mais, o filme foi sem pé nem cabeça. Tipo... as minhas expectativas quando eu fui assistir Assassin's Creed. Ah. Fugiu totalmente fora do jogo, do livro. Mano do céu. Os caras usam a tecnologia pra voltar o tempo antigo pro cara saber que é um assassino quando ele tava fazendo... Mano, não, mas isso tem no nada jogo. Nada com nada. O nossa, jogo o que eu, é... o que eu, não, o que eu joguei não tinha.
O Assassin's Creed é assim, o Rogue, pelo menos, o Black Flag. Todos é o usado que eu... na o arte que a... Nossa, que bosta que eu fiz aqui. O que eu joguei não tinha. Não sei se era porque a menina tinha comprado errado, não sei o que, que era. Eu sei que o que eu joguei não tinha. Aí no livro não tem mencionando isso. Não, no livro. O livro que eu tenho aqui não tem mencionando isso. O livro não tem nada a ver com o jogo. Porque, tipo assim, o livro conta muita história, só que assim. Não tem. Aliás, não tem nada a ver. Eu pensei, cara, o filme tá interessante, mas só que não tá respondendo as minhas expectativas com o potencial de cada personagem. Então, não adianta. Oh, eu já volto aí, que agora eu tô me arrumando aqui pra ir aula. Eu volto aí lá pras 10 horas. Tá. Falou aí, rapaz. Falou. Ai. Cala a boca. Voltei. Onde foi? O cara da dengue tava aqui. Achou dois focos de dengue. Dois focos de dengue na casa vizinha aqui. Caralho. Seriam dois. É que daí tava chamando ali, não tava saindo ninguém. Aí eu fui lá ver, né? Aí eu fui lá e... Aí ele achou dois focos de dengue na casa de cima e na minha não achou nada. É o quê? Só pegar e apertar o mosquito na unha, né? Não, foco com larva, tá ligado? E tinha mosquito também. Ui, credo. Larvinha da dengue. Já teve caso de dengue aí na cidade? Teve 4 casos no bairro, ele falou aqui. Não. E eu acho que o quinto sou eu. Eita. Ele tava explicando os negócios de... da... que aparece mancha vermelha no corpo. Na palma da minha mão começou a aparecer umas bolhas de sangue, tá ligado? Aham. Aí eu vou falar no posto daqui a pouco lá pra ver o que... E coça? Coça. Ah, então... Você vai no posto e vê se você não tá... Dentro. Eu vou descer lá pra ver. Cara, eu vou escutar um reggaezinho. Eu vou escutar maneiro. É, eu vou descer lá ver lá, porque quanto antes eu ver isso aqui, melhor. Vai agora? Eu vou descer lá, né? O jeito. Vai lá. Vou descer lá. Fechar a live aí. Valeu aí quem assistiu e quem compartilhou. Quem tá assistindo até agora, né? Que... né? Não sei como tem 6 pessoas assim. Vou lá ver o que é isso. Vai lá. Se eu ver, melhor. Beleza, valeu, falou e até mais.
pano e vai. สักนิดหนึ่งขอโทษครับま、俺様の腕前があってのことだがな。昼飯食ったらまた行こうぜ。ドラえもん、僕たちも釣りに行こうよ。うん、楽しそうだもんね。お昼ご飯食べたら行こう。ダメです。どうしてさ。のびちゃんは道を歩いててもドブに落っこちる人なのよ。川に行くなんてとんでもない。確かに、言われてみればママの言う通り。ああ、いっぺんでいいから、じゃんじゃん釣ってみたいな。見たいよね。そうだ、あれがあったんだっけ。あれって、あ、お座敷釣り針。何それ。団地の裏の川は東へ800メートルほど。もうちょっと南かな。あ、髪が水みたいになった。川がこの部屋に来たんだよ。川が来たって、うん、ダメって言ってるでしょ。